L'ennemi. On s'est pris. Bravo. L'hélico prêt au déploiement. Je répète, Grise C. On a perdu la joie. C'est sécurisé. Stratège H6 alliés en approche. Position tout verrouillée. Tenez vos positions. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi j'ai super bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Voilà, j'avais rejoué très récemment en stream et en dehors, et en plus ça m'avait assez plu de rejouer aux anciens codes. Donc voilà, c'est une petite mob tranquille, à la CR, sur Terminal. Voilà, on retourne sur les anciennes maps des anciens Call of Duty, hein, sur Infinite Warfare avec Terminal. Là c'est la vraie, on va dire... La vraie, on va pas dire le vrai, parce que en soi, la vraie map, c'est voilà, c'est une Modern Warfare 2 Terminal. Mais bon, on va dire que c'est très ressemblant, etc. Et puis c'est une map, on va dire, très 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 connue. Je pense que vous la connaissez quasiment tous. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, autant que ça soit news, que ça soit gameplay, etc., etc. N'oublie pas de t'abonner, l'objectif étant les 50 000 abonnés avant la PGW. On se rapproche de plus en plus des 50 000 abonnés, donc n'hésite pas de t'abonner si tu veux voir du gameplay, etc., de la news et tout. Et en parlant de news, je vais pas vous le dire en vidéo exprès par rapport à ça, etc., parce que je trouverais ça inutile d'en parler, de faire une petite vidéo de 2 minutes, et sachant que j'aime bien faire des vidéos de 10 minutes, hein, parce que vous savez que c'est un peu mon format de vidéo désormais, étant donné que, justement, soyez... Là, le mercredi 26 avril, tout simplement parce qu'il y aura le trailer de World War 2. Ça a été officialisé aujourd'hui sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller le checker. Donc toutes les personnes qui disaient « Ah, ça sera pas World War 2, etc. » Voilà, vous pouvez retourner votre veste maintenant. Je pense que c'est le moment de retourner votre veste parce que, voilà, les youtubeurs ont assez prouvé cela. Et puis maintenant, voilà, on se retrouve avec un World War 2 comme convenu avec toutes les preuves et toutes les faits qui ont été dits. Enfin bref les gens, aujourd'hui on se retrouve donc pour un gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 3 avec la mob. Alors la mob, il faut savoir que c'était la première bombe nucléaire, déjà qui n'était pas grâce à des killstreaks, qui était pas là grâce à des killstreaks. Ça veut dire que tu étais obligé de faire des gunstreaks pour obtenir cette bombe nucléaire sur Call of Duty Modern Warfare 3, étant la première également qui ne détruisait pas déjà la map. C'est-à-dire que quand je dis détruire, c'est-à-dire qu'il arrêtait totalement la map et qui était justement caché. Il faut savoir qu'à la base, la mob, quand on était au début, personne ne savait qu'il y avait la mob. C'est-à-dire que quand on a commencé à jouer, les gens se disaient « Oh mais putain, elle est où la bombe atomique ?» etc. Par rapport à Modern Warfare 2, parce que Modern Warfare 2, le pur kiff, c'était quoi? C'était entendre le bruit de la nucléaire, c'était entendre le « tintin, tintin, tintin ». Le truc, tu sais, le compteur qui a dire « Putain, fais chier ». Putain, fais chier. Ou sinon, toi, t'étais trop content en disant « Yes, putain, nucléaire, etc. » Et t'étais heureux. Et le truc sur Modern 3, c'est que même, le compteur par rapport à la mob qui allait tomber, eh ben, était quand même légendaire aussi. Il était épique, contrairement à Modern Warfare 3, n'importe quoi. Comparé à Infinite Warfare, c'est vrai que Infinite Warfare, c'est qu'on pose une bombe, enfin une atomiseur, c'est moins épique, tu vois, c'est vraiment moins épique. On entend atomiseur strike, on approche, etc. Limite, t'entends le mec, il est blasé, quoi. C'est vraiment ça, tandis que quand t'entends vraiment Moab, t'entends Moab, ennemi, on approche, Moab, allez, on approche. C'est vraiment beaucoup plus hype là-dessus. Enfin bref, et je pense que il n'y a aucune bombe nucléaire, enfin on va dire, ouais, bombe nucléaire, qui arrivera à la cheville de la mob pour le moment, parce que c'est tellement légendaire, justement, comme il le dit, c'est tellement hype, justement, quand tu claques une mob sur Modern Warfare 3, et que Modern Warfare 3, c'est un des meilleurs Call of Duty. J'ai beau pas apprécier le jeu autant que Call of Duty Black Ops 2. C'est vrai que Black Ops 2, pour moi, ça restera le meilleur Call of Duty, pour moi, hein, je dis bien, pour moi, ça restera le meilleur Call of Duty au monde. Il n'y aura pas un Call of Duty qui réussira à rivaliser avec Call of Duty Black Ops 2, parce qu'il y a la Ligue, parce que voilà, il y a la N, il y a la M8, il y a le B23R, voilà, il y a toutes les armes. Et j'adore Modern Warfare 3 parce que justement, il y a la CR, il y a la MP7, il y a la Scarel, il y a plein d'armes. Et même la CR, voilà, la CR, c'est une des armes aussi mythiques, hein, de Call of Duty Modern Warfare 3.
Mais aucun Call of Duty pour moi rivalisera avec Black Ops 2. Et c'est le seul défaut en fait. Si on doit donner juste un défaut entre Call of Duty Black Ops 2 et Modern Warfare 3, et pourtant je préfère Call of Duty Black Ops 2, c'est que sur Call of Duty Black Ops 2, on n'a pas cette mob. On n'a pas, tu vois, on a un titre nucléaire, hein, la première fois qu'on obtenait justement un titre nucléaire. Mais c'était extrêmement dommage quand on se disait, mais putain, on n'a pas réussi à avoir une bombe nucléaire, etc. Ça veut dire que Treyarch, hein, même Treyarch eux-mêmes le disent, qu'ils n'aiment pas avoir des sortes de killstreak ou scorestreak cachés. Hein. Ils n'aiment pas du tout le fait qu'il y a quelque chose qui explose. Ils préfèrent clairement poser un titre, en l'occurrence le titre nucléaire. Et ensuite, si on continue des gunstreaks, etc., par exemple 31, bah, t'as un invincible, 32, invincible, etc., etc. Et c'est vrai que ça, par contre, je trouvais ça un peu dommage. Et l'avantage également d'un Modern Warfare 3, voilà, c'était la facilité de poser un radar portatif. Voilà, comme je le fais, radar portatif, parce que t'es dans la merde, etc., etc. Et surtout qu'en solo, tu peux jouer en solo sur Modern 3. Hein. Tu peux encore à ce jour jouer en solo, même si les gens ils jouent avec Assassin, etc. Voilà, dès que t'as tous les atouts. Voilà, tous les atouts. Ça, c'est un truc, mais putain. Les spécialistes, le spécialiste, le vrai spécialiste aurait dû arriver sur Infinite Warfare parce que. Pour moi, c'était la plus grande invention qui existe sur tous les Call of Duty avec la microstation. C'est le truc qui aurait dû apparaître, mais sur Infinite Warfare. Pour moi, c'est limite un des gros défauts d'Infinite Warfare, c'est que on aurait dû obtenir justement un cas de tous les atouts, parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup d'atouts hein, sur Infinite Warfare, et l'atout spécialiste serait énormément aidé, je pense, pour les personnes en solo, etc., qui vont peut-être, je sais pas, en série nucléaire, vont se taper des trucs qui ne mériteraient pas, etc., et je trouvais ça un peu dommage, et que même si Call of Duty Ghost a été énormément critiqué, etc., c'est vrai que le spécialiste était bien, et même s'il y avait beaucoup trop d'atouts, tu pouvais choisir tes atouts, etc., je m'en souvenais avec Œil de Lynx. Oh, Œil de Lynx, t'entrais dans le spawn, tu mettais 2 balles avec sonar, oh là là, tu pouvais savoir où étaient tes ennemis, etc. Ah, ça, c'était le feu, c'était le feu. Je trouvais ça un peu dommage, justement, comme j'ai dit, Infinite Warfare qui avait pas ça, mais sur Call of Duty Modern Warfare 3, voilà, on a eu ça. Après, on va dire qu'on n'avait pas besoin de jouer drone. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que c'était un style de jeu pas du tout basé sur le drone de brouillage, hater, ce que Infinite Warfare a tenté de faire, hein, en posant, on va dire, un style de jeu, excusez-moi, un style de jeu totalement Call of Duty Black Ops 3. Sur un jeu d'Infinity Ward qui est totalement raté, on va pas se le cacher, hein, même si t'as beau aimer Infinite Warfare. On va dire que c'est là-dessus, ils ont un peu foiré à mon goût. C'est vrai que j'aurais préféré plus un vrai jeu en mode Infinity Ward. Ça, c'est vrai que ça aurait été un peu plus stylé. Enfin bref, les gens, c'est commence à être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, même si la petite intro également vous a plu avec l'Allemand qui pète un câble contre moi, sachant que c'était ma deuxième game. C'était ma deuxième game et j'étais trop heureux, tu vois, j'étais en train de leur mettre des sales trucs, etc. Tu vois, j'avais une sorte de hype, tu vois, j'avais une sorte de hype parce que rejouer un Call of Duty terre à terre, ça fait toujours extrêmement bizarre lorsque t'as l'habitude des jetpacks, tu sais, t'as l'habitude des jetpacks, puis tout à coup, tu vas jouer un Call of Duty terre à terre, tu te dis, mais putain, je suis un peu plus lent, etc. Et tu te rends compte que. Voilà, j'ai beau avoir un style de jeu bien agressif, etc. Normalement, et ben tu te rends compte que je devrais peut-être plus être en mode vraiment en mode tryhard comme je l'étais avant, on va dire, beaucoup plus sur la tempo, etc. etc. Parce que voilà, c'est. Même si j'aime beaucoup le jetpack, etc., c'est vrai que Call of Duty terre à terre, c'est un peu plus de tempo, etc. Parce que tu es bloqué. Sinon, c'est pas comme en mode jetpack où tu peux toujours t'en sortir en allant à droite, à gauche, etc. En te balançant dans les airs, etc. Et quand t'es Call of Duty, quand t'es. Sur un Call of Duty terre à terre, on va y arriver. Tu peux plus faire ce genre de choses. Tu peux plus et t'es obligé de temporiser justement parce que dans ce genre de situation, tu ne peux pas claquer sinon ce que tu veux. Et puis, et sinon, tu te mets dans des zones à risque, etc. Et ces zones à risque, justement, peuvent t'empêcher de claquer des nucléaires comme tu le souhaites. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement quand même pour du Infinite Warfare. Oui, effectivement, quand même pour du Infinite Warfare. Et je pense que dès qu'il y aura le trailer sur World War 2, je vous ferai une vidéo, un peu vidéo réaction en live par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais donner mon point de vue par rapport à World War 2, des éléments, etc. Une sorte de vidéo analyse, on va dire ça à peu près comme ça, vidéo analyse sur World War 2, en espérant qu'on ne tombe pas sur des choses que je ne veux pas, genre tomber sur des spécialistes, sur des. Ouais, des spécialistes. Dans un Call of Duty terre à terre. Ah, ça, j'espère qu'il n'y aura pas. Ça c'est énormément attendu et c'est également une autre crainte. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec la fin du décompte et bien évidemment un petit message de haineux d'un petit Allemand. N'oublie pas le like, hein. N'oublie pas de défoncer la barre de like, de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications. Ciao, ciao tout le monde.